Bonjour à tous, nous sommes actuellement sur le salon Aide Universal. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Je suis avec Michaud Cathy, qui est la chargée des admissions chez Subtertiaire. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, Subtertiaire est une école spécialisée dans les métiers de l'immobilier. Elle est présente sur plusieurs campus. Votre secteur, il subit actuellement une crise assez forte, on est bien au courant. Oui. Comment on continue de recruter des étudiants lorsque son secteur est en crise ? Alors, l'immobilier, c'est un secteur assez cyclique. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Forcément, il y a des moments où ça va un peu moins bien comme dernièrement. Quoique là, c'est en train de repartir avec les taux, on le voit, hein, qui sont en train de redescendre doucement. Il faut savoir que l'immobilier, c'est composé de 3 grandes familles, voire 4. Il n'y a que la transaction aujourd'hui qui est en crise, c'est-à-dire tout ce qui est achat-vente. Quand on parle de la gestion locative, aujourd'hui, ça se porte très très bien, on aura toujours besoin de se loger. Le syndic, c'est pareil, les gens, le syndic en général, c'est plutôt la gestion de conflits, etc., suivi de projet. On aura toujours besoin de ce genre de choses. Et la dernière catégorie, c'est les bailleurs sociaux, donc tout ce qui est gestion des HLM, donc pour les habitations à loyer modéré. Et ça, pour le coup, ça explose aujourd'hui au vu de la situation actuelle. Donc quand on me dit que l'immobilier va mal, en fait c'est uniquement la transaction. Et nous, on ne forme pas nos étudiants que à la transaction, on forme vraiment des étudiants à tous les secteurs de l'immobilier. Donc pour ce point-là, ça va. Très bien, c'est bien voilà. De le préciser. Vous êtes présent sur plusieurs campus, quels sont-ils ? Alors, on a Paris forcément, on a Lyon, on a Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Et cette année, on ouvre aussi à Aix-en-Provence. Voilà. Comment justement ces étudiants, on peut les rassurer ? Bon, bah peut-être en disant de nouveau ce que vous venez de me dire. Oui. Mais pour ceux, par exemple, qui veulent se spécialiser dans la transaction ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que même si la transaction, c'est un peu compliqué, nous, en alternance, en tout cas, on a quand même une grosse majorité de nos étudiants qui sont en alternance, en transaction, malgré tout. Donc ça, c'est pas un souci. À savoir que un alternant, forcément, ça coûte moins cher qu'un CDI ou autre. Donc forcément, ils trouvent quand même du travail. Et pour la suite, pareil, ça va, le temps qu'ils finissent leurs études, dans tous les cas, bah, ça ira mieux. Et puis surtout, s'ils vont jusqu'au master, en fait, ils vont se spécialiser dans des domaines où finalement, ils vont pouvoir trouver du travail quand même. Il faut également savoir que nous, dès le BTS, on les forme à différents métiers et surtout, on leur ouvre énormément de voies. C'est-à-dire qu'en BTS, ils vont voir tout ce qui est fiscalité, comptabilité, gestion, ce genre de choses. Ils ont aussi beaucoup de droits. En immobilier, on est considéré comme des juristes, peu importe le métier qu'on fait. Ce qui veut dire qu'après un BTS, s'ils décident de s'orienter vers autre chose, en fait, ils ont énormément de choix, de voies. Il y a même tout ce qui est architecture et urbanisme qu'ils découvrent dès la première année. Donc forcément, ça ouvre vraiment beaucoup de portes en fait, d'être dans l'immobilier. Subtertiaire fréquente le salon Aide Universal pour la première fois cette année. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la qualité de ce salon ? Alors déjà, l'accueil et le suivi est incroyable. On a reçu beaucoup de mails en amont pour nous prévenir de ce qui allait se passer, etc. Ça, c'est génial. Il y a aussi beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, etc. Donc même pour nos étudiants, ils sont venus nous voir en disant « on a vu que vous alliez être sur l'aide universelle, le salon, etc. » Et ça, c'était top d'avoir leur retour. D'ailleurs, aujourd'hui, on a 3 étudiants qui sont venus nous proposer eux-mêmes leur aide. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis après, une fois sur le salon, ce qui va différencier avec les autres, c'est que c'est spécialisé sur les masters. Et c'est vrai que quand on fait d'autres salons, c'est un peu compliqué d'avoir des gens qui viennent pour le master. On a plutôt des terminales qui viennent pour les BTS ou un peu de bachelor. Mais juste pour le master, c'est vraiment top d'avoir un salon spécialisé pour eux. Voilà. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose par rapport à votre collaboration avec Aide Universal ? Ma dernière question, c'était pourquoi est-ce que vous travaillez avec Aide Universal aujourd'hui ? Vous en parlez quand même, mais... Oui. Aide Universal, c'est quand même un tremplin, ça fait 30 ans que vous existez. Vous avez quand même une renommée assez importante dans le milieu des écoles, même auprès des élèves. Et puis le fait que vous questionnez aussi nos anciens élèves pour pouvoir nous classer, ça c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que les élèves actuels ont besoin aussi de savoir ce qu'ont pensé les autres. Donc nous, déjà en interne, on diffuse très régulièrement vos comptes rendus pour qu'ils puissent savoir. Et puis même auprès de nos prospects, on n'hésite pas à leur parler de votre classement et de notre place dans votre classement qui est quand même assez importante. Voilà.
Merci beaucoup Cathy Michaud. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargée des admissions chez Subtertiaire. C'est ça. Je vous souhaite une très belle journée du coup sur ce salon. Merci beaucoup, vous aussi. Bon courage. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.